Bonsoir, c'est l'heure de Sans Tabou, votre émission politique sans faux-semblant, sans retenue, sans questions inutiles. Ce soir, j'accueille une personnalité politique qui a fait un pied de nez aux probabilités et aux sondages en s'imposant sur la scène nationale grâce au vote des électeurs polynésiens. Il a été adjoint au maire de Faa'a, Oscar Temaru, directeur de cabinet de l'ancien vice-président Tony Géros, chargé de communication du groupe UPLD à l'Assemblée. Il ne porte pas le costume parisien, mais il a été élu député de la Polynésie française le 17 juin dernier, Moïtei Broderson. Et ce soir, l'invité de Sans Tabou, Moïtei Broderson, bienvenue. Yorana. Vous êtes prêt? Très. Alors on y va, c'est parti. Je vous propose de venir vous installer dans le fauteuil de l'interview politique de Sans Tabou. Bienvenue. Merci. Est-ce que vous êtes bien installé, vous Très vous bien. Sentez bien? Vous venez tout juste de rentrer de l'Assemblée nationale, où vous êtes allé défendre les dossiers de la Polynésie. Nous allons revenir sur votre parcours politique depuis vos premiers pas à la mairie de Faa'a. Puis ce sera l'heure du débat autour de choisi et un autre que nous avons choisi face à vous, un allié et un opposant surprise. Vous ignorez pour l'instant leur identité, le secret était bien gardé. Vous répondrez à quelques questions Facebook et puis ce sera l'heure de l'interview des 5 dernières minutes sur votre vie privée. Est-ce que cela vous convient? Parfaitement. Il y a une tradition dans cette émission. Avant de commencer, vous devez me dire, Moïtei Broderson, si vous vous engagez à dire la vérité, rien que la vérité, et si vous accepterez de répondre à toutes les questions que je vous poserai ce soir sans exception. Je ne sais pas faire autrement. Alors c'est parti, on y va. S'il veut bien partir, ça y est. J'aimerais d'abord que vous nous disiez ce qui vous a décisif pour vous. À ce moment-là, encore consultant en stratégie, vous étiez rentré auparavant. On écoute Oscar Temaru après son élection à l'Assemblée. C'était au mois de juin 2004. On l'écoute, on se retrouve juste après. Les Polynésiens ont voulu avant tout sanctionner un système de gouvernement et un comportement monarchiste, éloigné des préoccupations quotidiennes, surtout celles des plus démunis. Pourquoi l'élection d'un indépendantiste à la tête de la Polynésie a-t-elle été un déclic pour vous, Moïtei Broderson? Bien, je crois qu'elle a été un déclic pour beaucoup de monde. Moi, ça fait très longtemps que je suis indépendantiste. Je n'ai jamais voulu m'engager en politique. Et puis le 23 mai 2004 est arrivé. Moi, je suis parti me coucher la veille, comme beaucoup de Polynésiens, à mon avis, avec la certitude que le Tawera avait encore gagné. Il avait été égrené, ils étaient tous en face. Au bout d'un moment, j'ai éteint la télé, je me suis dit, bon, ça ne changera jamais. Donc, je pars me coucher. Le lendemain matin, je vois dans la maison les regards un peu particulier, les gens qui me regardent, la famille, du changement. Et puis, ils sont tous un peu étonnés de mon attitude. Bon, je viens d'émerger, ils me disent, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu n'es pas dans la rue, tu n'es pas en train... Je dis, mais quoi, qu'est-ce qu'il y a? Et là, on m'annonce que le Taoui, c'est... Donc forcément, ça m'interpelle, parce que je me dis, à un moment donné, soit on reste spectateur et on critique de l'extérieur, soit on essaye de... devenir un peu porter ses valeurs, les valeurs auxquelles on croit. Et donc, c'était vraiment ça, c'était le point d'inflexion pour moi. Ça a été le point de départ. Vous êtes donc nommé chef de service des postes et télécommunications, vous êtes rattaché au ministère de tutelle. Cela devient vite très conflictuel. Vous vous en rappelez, entre l'État et le président Oscar Temaru, qui affirme haut et fort vouloir décoloniser la Polynésie française. Est-ce que vous êtes pour les rapports de force avec l'État à ce moment-là? Je ne suis pas pour les rapports de force. Moi, je suis quelqu'un d'assez doux, naturellement, mais en revanche, de très déterminé. Donc, je suis persuadé qu'on peut, en étant
pas forcément outrancier, pas forcément dans la provocation permanente, obtenir des choses de manière beaucoup plus efficace. Alors, il y a eu une instabilité. 13 gouvernements vont se succéder. En 2011, Oscar Temaru est de nouveau aux commandes et continue d'affirmer son désir d'indépendance en rebaptisant notamment la Polynésie qui devient Mauhinui. Vous parlez de propos outranciers. Il traite le ministre des Affaires étrangères de l'époque, Alain Juppé, tout le monde s'en souvient, d'étrangers au Forum du Pacifique Sud. Il traite aussi les Européens qui viennent s'installer en Polynésie de Aïha, ce qui signifie détritus amassés par la mer dans le sens de bon à rien. Est-ce que vous aussi, vous pensez que les Français sont des étrangers et des déchets en Polynésie ? Alors d'abord, Aïha, ça veut dire bois flotté. Ça ne veut pas dire détritus, déchets. Ça n'a pas un sens péjoratif, du moins dans l'esprit et dans le prononcé d'Oscar Temaru, ce n'est pas du tout péjoratif. C'est vraiment dans le sens bois flotté. C'est un fait. Je veux dire, les Européens sont arrivés comme du bois flotté, sur des bateaux. Vous affirmez qu'ils ne voulaient pas insulter, en fait. Bien entendu. Est-ce que vous reconnaissez que ce type de discours, en tout cas, n'a pas été rassembleur et qu'au contraire, il a divisé la population à ce moment-là ? Je pense que de toute façon, dans le contexte de l'époque, il aurait pu dire n'importe quoi. Ça aurait été monté en épingle. Donc, il a dit ce qu'il pensait, parfois sans mettre de gants, sans mettre de filtre, parce que c'est sa nature, parce qu'il avait aussi besoin de secouer un peu les consciences. C'est quoi, selon vous, être polynésien, Moïte Broderson, vous qui êtes à la fois tahitien, danois, allemand, oui, suédois, anglais et espagnol, je crois? Et encore plus de choses que ça. Être polynésien, c'est pas forcément être maori aujourd'hui. Être maori, c'est quelque chose de bien précis. C'est être capable de remonter sa généalogie sur un certain nombre de générations ici, avoir des racines ici, originaires d'ici, qui datent d'avant la colonisation. Ça, c'est être maori. Être polynésien aujourd'hui, c'est une réalité complètement différente. Vous êtes polynésienne, à mon avis. Enfin, si vous vous sentez polynésienne, parce que ça, c'est le prérequis. Donc, il faut se déjà sentir polynésien, c'est pour le prérequis. Être polynésien. C'est le prérequis. On peut avoir vécu 50 ans ici et se sentir toujours béarnais. On a le droit. On a le droit d'être fier d'être français et de ne pas se sentir polynésien, même si on a vécu toute sa vie ici. Donc le prérequis, c'est. Ensuite, il faut, à mon sens, et je l'ai dit une fois, et ça. Ça a paru un peu macabre à certains, mais c'est vraiment ce que je pense. C'est quelqu'un qui ne conçoit pas de mourir ailleurs qu'ici. Voilà. Très bien. Vous pensez, vous aussi, peut-être que l'État doit accompagner la Polynésie vers l'indépendance. Est-ce que vous admettez que la France a permis à la Polynésie de se développer dans plusieurs domaines, je pense notamment à la santé, à l'éducation, entre autres ? C'est plus que la France, c'est le développement des progrès médicaux partout dans le monde. Toutes les nations, les grandes nations, ont apporté ces progrès médicaux, de nouvelles façons, les vaccins, etc. C'est pas spécifique à la France. Est-ce que c'est une bonne chose ? Bien entendu, c'est une bonne chose. Maintenant, la raison pour laquelle ça a été apporté de manière aussi répandue chez nous, elle est très claire, c'est le CEP. L'hôpital. Il y avait un intérêt sous-jacent. Bien entendu, bien entendu. Après, bon voilà, c'est fait. Mais il ne faut pas oublier l'histoire. Au plan économique, on va en reparler. Les différents mandats d'Oscar Temaru ont été catastrophiques, selon l'opposition qui aujourd'hui oui, est au pouvoir, puisque les chiffres ont montré en 2013 une hausse de la dette du pays qui est passée de 65 milliards en 2004 à 90 milliards en 2012. Rien que pour l'année 2012, vous êtes alors directeur de cabinet, à cette époque du vice-président Anthony Géros, le déficit s'élève à 11 milliards de francs pacifiques. Est-ce que réclamer l'indépendance ou la souveraineté et attirer les investisseurs ? Non, ça veut simplement dire qu'on paye le prix d'années de stigmatisation. Pendant des années, on a brandi de manière très confortable, le pouvoir en place ici a brandi de manière continuelle l'épouvantail de l'indépendance pour réclamer toujours plus. On allait sombrer dans le chaos et finalement les investisseurs se disent, comme ça va être l'indépendance, on ne vient pas. Le 24 mai 2004, on était censé commencer à se manger entre nous et mourir de faim le 25. Rien de tout ça s'est produit. Les autonomistes qui reprennent le pouvoir en 2013 affirment que l'unique projet politique
Aura été la réinscription de la Polynésie française sur la liste des pays à décoloniser. Vous y allez en délégation à l'ONU, on va vous voir sur ces images pendant plus de 10 ans, et vous arrivez à faire inscrire le pays sur la fameuse liste. On est le 17 mai 2013, une longue bataille que vous célébrez un an après avec l'inauguration d'une stèle à Tahiti. Au-delà du symbole, à quoi sert cette réinscription, Moïtel Brouderson? Alors sûrement pas, et ça je l'ai déjà dit, sûrement pas à faire changer le prix du pain ou le prix du gazole à la pompe. C'est pourtant ça qui intéresse le quotidien des habitants en Polynésie. Je ne suis pas sûr que ce ne soit que ça qui intéresse les habitants. Je pense que c'est effectivement des choses qui sont importantes pour eux. Mais au-delà des besoins immédiats et quotidiens, un peuple a besoin de se projeter dans une vision, dans un avenir commun. Et ça, ce n'est pas le prix du pain, le prix du gasoil. C'est la liberté. Est-ce que vous admettez que vous n'aviez aucun mandat pour le faire? Pas du tout. Nous avions tous les mandats pour le faire. Je rappelle que le fait initial de ce processus de réinscription, de la majorité des représentants à l'APF. On va reparler de votre mandat d'adjoint au maire que vous avez donc quitté au mois de juin dernier. Vous avez été donc le troisième adjoint au maire de Faa pendant 3 ans. Vous savez que c'est une commune qui n'est pas en bonne santé financière, en tout cas c'est ce que dit son maire. Une commune qui ne trie pas ses déchets, qui a une décharge à ciel ouvert qui pollue, selon les scientifiques. C'est une commune qui n'arrive pas à assumer les différents services publics. Elle n'est d'ailleurs jamais citée en exemple. On ne parle pas de Faa. Qu'est-ce que la réinscription de la Polynésie sur la liste des pays à décoloniser a changé au quotidien des habitants de la commune? D'abord, je suis un peu étonné de ce que vous affirmez. J'ai eu la chance d'assister à un séminaire de bilan de mi-mandat. La dernière fois que je suis revenu de Paris, les finances de Faa sont en très bon état. Ne sont pas suffisantes, selon Oscar Temaru, pour assumer les charges de services publics, puisque l'État ne tiendrait pas compte de la cette commune. Je vais vous répondre. Mais contrairement à d'autres communes autonomistes, Faa n'a jamais été mise sous tutelle. D'accord? La trésorerie de Faa est positive. Contrairement à Mahina, par exemple. Je ne cite personne. Mais depuis que Oscar Temaru est maire, la gestion de la commune. Donc déjà, ça, il faut l'évacuer. Ensuite, pour ce qui est... Je vis à Faa, je suis désolé, mais mes poubelles sont ramassées. Mais pas triées. L'eau. Oui. Alors, revenons là-dessus. Pas triées. Est-ce que Faa a eu tort de ne pas s'engager dans l'aventure folle de Tamaranui qui a coûté des milliards à la Polynésie? Moi, je dis non. Est-ce que Faa, aujourd'hui, a raison de continuer d'exploiter le centre de Moumouvaï? Je dis, pour l'instant, on n'a pas d'autre choix. On travaille à l'installation d'un CET un peu plus haut, on travaille à la mise en place d'une solution de réduction des déchets, mais tout ça, ça prend du temps. En tout cas, si on fait un bilan, je pense qu'on a eu totalement raison, enfin le maire de l'époque, moi j'étais pas là, qui était Oscar Temaru déjà, a eu totalement raison de ne pas s'engager dans l'aventure Tamaranui. Au cœur de l'idéologie indépendantiste, il y a les 193 essais nucléaires réalisés entre 66 et 96 en Polynésie française, bien sûr. Après l'annonce de l'ex-président Jacques Chirac de reprendre les essais nucléaires en Polynésie en 95, les manifestations indépendantistes s'enchaînent et se terminent mal, avec, on s'en souvient, les incendies à l'aéroport et à Papeete, des actes d'une extrême violence. Les manifestants se laissent aller à la haine. Rien à voir avec l'idée que défendait l'ex-président de la République Charles de Gaulle en 1966. On l'écoute et on en reparle juste après. Et oui, il est vrai que la Polynésie a bien voulu être le siège de cette grande organisation destinée à donner à la puissance française de la dissuasion qui peut, qui doit, à tous, dans un monde dangereux, nous assurer la paix. La Polynésie a donné à la France, c'est Charles de Gaulle qui parle, le caractère de la dissuasion en lui permettant de disposer de la bombe nucléaire pour assurer la paix dans un monde dangereux. Est-ce que vous entendez ce discours? Je l'entends, mais il me choque. La première phrase me choque, parce que ce que j'ai entendu, la première phrase, c'est « la Polynésie a bien voulu ». Non, la Polynésie n'a pas voulu, on n'a pas eu le choix. Jacques-Denis Drolet l'a vers la fin de sa vie. De Gaulle l'a reçu et lui a dit « c'est simple ». Soit vous acceptez la bombe, soit on instaure un gouvernement militaire et on coupe les vives de l'Assemblée. Donc la Polynésie n'a pas voulu, elle n'a pas eu le choix.
C'est un mensonge de dire ça. Est-ce que le fait que la France dispose de l'arme nucléaire aujourd'hui et se fait donc respecter au niveau mondial, ce n'est pas aussi un statut qui profite à la Polynésie, elle-même placée sous la... Que sans le nucléaire, on n'aurait pas à craindre pour la place de la France au plan mondial et pour la Polynésie du même coup. Vous savez, quand je vois la Corée du Nord qui dispose du nucléaire, assurée par le nucléaire... Mais le fait est-ce que la France l'ait permet que le nucléaire, peut-être de... Est-ce que le nucléaire a empêché le Bataclan? Est-ce que le nucléaire a empêché la vague d'attentats terroristes que nous connaissons depuis 2001, pardon? Est-ce que ça a empêché tout ça? Non. Donc le nucléaire, ça a certainement eu des retombées très positives financièrement pour la France dans le nucléaire civil. Est-ce que ça a réellement contribué à la paix dans le monde? Je ne sais pas. Je préférerais un monde sans nucléaire. Avec c'est un nucléaire. Peu utopique ça, non? Vous êtes utopiste? Si on n'est pas un peu utopiste dans la vie, c'est triste. L'État, via l'ex-président François Hollande, le phénomène, qui sont suivis des mots, des propos qui étaient très attendus. Rien n'est encore prouvé scientifiquement à ce jour, en tout cas. Le gouvernement français, mais vous le savez, le fameux risque négligeable de la loi Morin, c'était au mois de février, qui pouvait être un frein aux indemnisations. Est-ce que c'était vraiment un frein, selon vous? Tout ça, c'est une totale hypocrisie. De Gaulle, il fait des speeches magnifiques. De mes camarades politiciens ici, j'ai lu tous les livres de Gaulle. Je suis un gros lecteur. Hein. C'est quelqu'un qui a une très belle plume. Mais il faut savoir que dès 1961, la France reçoit des États-Unis un rapport épais comme ça sur les effets du nucléaire sur l'être humain. Donc, en 1961, l'installation du CEP se fait, et en 1966, quand Aldébaran explose, la France, l'État français, sait déjà quels seront les effets du nucléaire. C'est pour ça que la France l'a fait au milieu du Pacifique, pour éviter de contaminer Oui, on le fait chez les Bougnoules parce qu'on ne peut pas le faire à Paris, les fameux effets propres, les essais propres. Mais voilà, tout ça est une totale hypocrisie. Soit les effets du nucléaire, et on attend, je ne sais plus combien d'années après, pour dire, oui, finalement, on va peut-être lever le risque négligeable. Donc ce qui n'est pas fait aujourd'hui. Vous pensez aussi que tous les cancers en Polynésie sont dus aux essais nucléaires ou presque ? Non, pas tous, il ne faut pas être démagogue. Il y a une liste de maladies radio-induites. Ces maladies radio-induites. La liste américaine, par exemple, conviendrait par parfaitement. Exemple, par exemple. La dernière étude réalisée par l'Institut Mallardé à Hau, au Tuamotu, les habitants avaient moins de plomb dans le sang que ceux de Makemo. Et les derniers résultats publiés avant-hier montrent un taux de pollution 20 fois inférieur au seuil d'alerte. D'hygiène et de salubrité, de l'Institut Mallardé, donc je l'ai dit, et de la direction de la santé, vous en pensez quoi? Tout ça est faux? Je pense qu'il n'y a pas à Makemo. Ça fait baisser le taux. On sait aussi qu'en Calédonie, qui compte le même nombre d'habitants et qui n'a jamais servi de base pour des essais nucléaires. Alors, les Calédoniens ont eu... Ça s'appelle le nickel. Quand vous allez en Calédonie, quand vous arrivez à Nouméa, vous le sentez, le nickel, vous le sentez au sens propre. Et donc le taux de cancer qu'il y a en Calédonie, il est lié au nickel. Chacun s'accroît, on va dire. Est-ce qu'il y a une chose, Moëtei Broderson, vous êtes un visionnaire, est-ce qu'il ne faudrait pas cesser de parler du passé, les autorités touchées ? Le futur, ça fait des années qu'on parle du futur. Quand Oscar Temaru parle des ressources sous-marines de ce pays... On le prend pour un fou. Aujourd'hui, c'est un fait. Cartemarou, il y a 30 ans, dit il faut. Pareil, on lui dit mais non, on a besoin de fonctionnaires, on n'a pas besoin de planter. On va planter des fonctionnaires, ça va faire pousser des taxes. Aujourd'hui, même les autonomistes disent qu'il faut augmenter. Donc, non, ceux qui s'inscrivent dans le passé, ceux qui s'inscrivent dans la continuité de la dépendance, ce n'est pas nous. Est-ce que les essais nucléaires ne sont pas le seul moyen, finalement, que vous ayez trouvé avec les autonomistes à cause d'une rente à vie? Alors, si les autonomistes prennent ça comme une vache à lait ou une tirelire, ça, c'est leur conception des choses. Nous estimons que ce peuple a subi un préjudice énorme, qui relève du crime contre l'humanité. Et nous estimons que ce préjudice mérite réparation. Vous avez donc été deux fois, je le disais, le directeur de
Vous êtes lancé au mois de mars dernier dans la course à la députation. Vous avez remporté face à Patrick Howell dans la 3e circonscription, premier député indépendantiste élu, c'est déjà une chose. Mais vous vous êtes aussi fait remarquer lors de votre première séance à l'Assemblée nationale le 20 juin dernier, en arrivant sans cravate et en... Vous portiez un lava-lava, une tenue polynésienne. Est-ce que vous aimez provoquer ? C'est confirmé ? C'est tout de même paradoxal qu'en tant que Polynésien, on me demande si je provoque quand je m'habille en Polynésie. Est-ce que la tenue alors, classique... Un blouson de cuir, un Iroquois et des chaussures à talons, on m'aurait dit non, ça va, ça c'est européen, donc tu ne choques pas. Mais je me suis habillé en Polynésien, donc je m'habille comme je me sens bien. Il y a... On vous redonne une minute supplémentaire, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas un paradoxe, selon vous, d'être à la fois indépendantiste et rémunéré par la France ? On a dû souvent vous poser cette question. Bien sûr que non. Vous savez, quand on veut accéder à l'indépendance, il y a deux chemins. Il y a celui de la paix, il y a celui de la guerre. Alors, à partir du moment où, dès sa création, le Tavini Huratira a décidé d'utiliser les moyens de la paix, les moyens démocratiques, c'est ce qu'on fait. L'utilisation des moyens démocratiques. Est-ce que vous faites un compte-rendu de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, de ce que vous avez défendu pour le pays à Édouard Fritch après chaque séance ? Quels sont vos rapports aujourd'hui avec le président du pays ? J'aimerais bien lui faire un compte-rendu, mais puis des beaux discours, il m'ignore royalement. C'est à se demander, quand il se déplace à Paris, si c'est le président qui se déplace ou si c'est le chef du Tapura. Auquel cas, c'est-à-dire je pense que c'est au Tapura de financer ses déplacements. Vous on se voit ici, mais quand il vient à Paris, il convie mes collègues, mais pas moi. Dernière question, vous avez déclaré après votre élection que vous n'irez pas à l'Assemblée nationale l'indépendance, que c'est en Polynésie que cela doit être discuté. Est-ce que l'on peut envisager que vous arriviez un jour à la conclusion suivante, sans un grand... rien d'aller survivre? Le jour où j'arriverai à cette conclusion, ce sera le même jour où le président Macron se dira « La France ne peut pas exister sans un grand pays comme la Chine. » Parce que les ratios sont à peu près les mêmes. Très bien, Moïse Broderson, le temps est écoulé, c'est maintenant l'heure du débat. On attend vos questions sur Facebook. Moïse Broderson, est-ce que vous êtes prêt à découvrir qui a accepté de venir débattre avec vous ce soir dans Sans Tabou ? Volontiers. Alors c'est parti, on y va, suivez-moi. Deux thèmes de débat vont donc être proposés à nos invités surprises ce soir pendant 35 minutes. Le premier choisi donc par Moïse Broderson et le second que nous avons choisi. Je vais d'abord remercier les deux invités qui ont bien voulu venir s'asseoir autour de cette table ce soir. Il sera l'opposant de Moïse Broderson, Teiva Manutei, président de Polynetia Ora et contre l'indépendance. Il va nous dire pourquoi dans un instant. Bonsoir. Et puis le représentant UPLD à l'Assemblée, Richard Touheyava, ex-sénateur, sera lui l'allié de Moïse Broderson sur notre plateau. Bonsoir. Bonsoir. Indépendance économique, espoir ou illusion, c'est le premier thème de débat ce soir. Teiva Manutei, vous êtes autonomiste, conseiller municipal à Faa dans l'opposition et vous vous lancez avec votre parti dans la bataille des élections territoriales. Dites-nous pourquoi, selon vous, l'indépendance est une illusion ? D'abord, je veux saluer mon collègue du conseil municipal et ami et lui dire que combien même on peut tout à fait être ami, on peut aussi ne pas partager la même idéologie. Et lorsque l'on va aborder les deux thèmes qui ont été choisis, on parle bien d'idéologie. Et effectivement, je suis moi profondément autonomiste. Je me suis d'ailleurs présenté aux élections et communales et territoriales. Parce que je trouve aujourd'hui que les relations entre la Polynésie et la France se sont apaisées, assainies. Et je voulais quand même saluer, hein, mais Moïse l'a rappelé tout à l'heure, j'allais le dire de toute façon en préambule, il y a deux façons d'accéder à l'indépendance. Par la force, la violence, parfois malheureusement à travers des coups d'État, et de manière démocratique. Et on peut quand même saluer Oscar Temanou parce que
Ils ont choisi la voie démocratique, et c'est là-dessus que je vais débattre tout à l'heure à travers la question du référendum. Pourquoi, selon vous, l'indépendance est-elle une illusion ? Ce n'est pas simplement une question d'illusion. Je crois que Mouete Bourdasson le sait, hein, parce que dans le Pacifique, d'autres exemples existent. Hein. Vous avez, par exemple, Fidji. Le SMIC est aujourd'hui à de l'ordre de 30 000 francs. Le SMIC à 30 000 francs, c'était la Polynésie il y a 50 ans. Aujourd'hui, on n'en est plus là. Il y a eu, bien sûr, des blessures qu'a traversé la Polynésie, qui sont aujourd'hui en train d'être réparées. Il y a un processus d'indemnisation sur les essais nucléaires. Mais je ne vois pas aujourd'hui, parler d'espoir, nous voir revenir à un SMIC à 30 000 francs, alors même qu'avec l'argent qu'injecte l'État aujourd'hui, bien en peine, il y a 55 000... Pour vous, ce serait 000... donc un retour en arrière. On va regarder... 30 000 francs, c'est le SMIC il y a 50 ans. Vous parlez des dépenses de l'État. On va regarder ce chiffre, justement, avant d'aller plus loin. Je vous entends déjà dire, messieurs les pro-indépendance, que la liberté n'a pas de prix et qu'on ne peut pas lui opposer quelque aspect financier que ce soit. Mais quand même, 187 milliards et 39 millions, c'est ce qu'a dépensé l'État français en Polynésie en 2016. Un chiffre qui ne prend pas en compte les rallonges exceptionnelles en cas d'inondation, par exemple. Comment fait-on pour se passer de cet argent, Richard Touré-Ava, et faire fonctionner... malgré tout, une société répartie sur une surface grande comme l'Europe qui compte 275 000 habitants selon le dernier recensement. Bien. En fait, c'est très simple. D'abord, j'aurais voulu que ce soit M. le haut-commissaire et que ce soit plutôt à lui que je lui donne la réponse parce que visiblement... Il y a un devoir d'impartialité, vous le savez. Oui, mais c'est l'État. On parle de l'État, hein, en fait. Quand on parle d'indépendance, c'est principalement l'intéressé. Alors, ce qui est important à comprendre, c'est que d'abord, c'est un droit. L'indépendance, ce n'est pas une option seulement. C'est un droit qui est reconnu par les Nations Unies et qui a été reconnu par les Nations Unies au peuple polynésien. Ça peut déranger, comme ça peut effectivement susciter des passions. C'est le cas pour le Tavinihuilatira, ça fait 40 ans que ça dure. Maintenant, si c'est simplement une question d'argent, à ce moment-là, je pose la question aussi. Il faudrait peut-être plus se poser la question de savoir, au-delà des 185 milliards, combien l'État a emprunté sur les marchés financiers grâce, par exemple, au traité de Lisbonne et à quoi servent les ressources de la Polynésie comme garantie et jusqu'à combien ? Est-ce que, justement, le système de la dette publique auquel nous sommes pris en otage par la France n'est pas en réalité le seul argument qu'ont les pro-autonomie pour pouvoir rester sur la France ? La question, c'était de savoir comment on se passe de cet argent. Mouete Bourdasson, est-ce qu'on peut être libre sans argent ? C'est presque un thème philosophique. Je ne sais pas ce que dirait Kant, qu'il faut transcender sa faim quand on est sans le sou sûrement. Mais concrètement, comment la Polynésie peut-elle survivre avec moins de dettes financières ? On sait déjà qu'avec cette aide-là, et vous le savez aussi, le pays a du mal à s'en sortir. Soyons concrets, sans, on fait comment ? C'est la question que je vous pose. Oui, d'abord, je crois qu'il faut évacuer un point. C'est que les indépendantistes n'ont pas fait vœu de pauvreté et de misère pour leurs enfants. Je crois qu'on a tous des enfants. Je ne souhaite pas pour mes enfants qu'ils vivent demain dans une Polynésie misérable. Donc, quand nous travaillons à l'élaboration d'un projet de société, quand nous travaillons à des stratégies de substitution totalement artificielles et qui constituent aujourd'hui un véritable plafond de verre pour notre développement... c'est justement pour arriver à un avenir meilleur pour nos enfants. Alors, 187 milliards. La première question qu'il faut se poser, c'est est-ce que tout cet argent reste ici ? Eh bien non. Quand on fait les calculs, il y en a à peu près 87 qui repartent en France. Donc ce qu'il faut substituer, c'est plus 187 milliards, c'est 100 milliards. Alors, on va faire une extrapolation un peu simpliste, mais tout de même qui met les idées en place. 600 000 touristes, c'est 100 milliards de plus. On développe le tourisme, je ne parle que d'un secteur. On développe le tourisme, on atteint 600 000 touristes, on a substitué la rente qu'on a aujourd'hui. Alors, il faut aller plus loin dans les développements, mais là, il nous faudrait un cycle de plusieurs émissions pour aller dans le détail. Mais vous voyez les grands principes. Donc, il faut plus de chambres. Il faut plus de chambres, vous le savez, pour développer le tourisme. Donc, il faut plus de défiscalisation ou plus d'investisseurs chinois qui vont venir acheter des hôtels. Donc, on revient dans la dépendance d'un autre pays. Pas du tout. Est-ce que vous connaissez le montant de l'épargne qui existe chez nous aujourd'hui ? Est-ce que vous connaissez ce montant ? Il est énorme. Rien que si nos investisseurs locaux se décidaient à investir ici plutôt qu'en Nouvelle-Zélande ou en Australie, oui, les hôtels, on pourrait en construire. Qu'est-ce qui ne les rassure pas ici, les investisseurs locaux ? Est-ce que l'indépendance...
rassurer. Pas. Je pense qu'ils sont toujours dans un calcul financier. Où est-ce que le ROI de mon investissement va être le meilleur? Donc à un instant T, c'est peut-être la Nouvelle-Zélande, c'est peut-être Singapour, c'est peut-être l'Australie. Et ils sont dans ces logiques-là. Il faut revenir dans une logique polynésienne où on se dit ce que je veux développer, c'est mon pays, c'est l'économie de mon pays. C'est quand même paradoxal qu'aujourd'hui, le plus gros propriétaire d'hôtels en Polynésie soit un Samoan. Moi, je trouve ça un peu paradoxal. Pour les indépendantistes, être une collectivité d'outre-mer, vous le savez, ne suffit pas. Le statut de la Polynésie a évolué depuis 1842. Aujourd'hui, elle se gouverne librement. C'est ce que dit en tout cas le statut d'autonomie. Est-ce que vous comprenez, Teiva Manoutrey, que les indépendantistes, malgré tout, ne se sentent pas libres? Non, d'abord, quand je suis né libre. Et aujourd'hui, ce débat... Même sans être dans un pays indépendant. Moi, je n'ai pas besoin que la France reconnaisse mon indépendance ou l'ONU. Je n'ai pas besoin de réinscrire la Polynésie pour savoir que je suis polynésien et français. C'est inscrit sur mon passeport. Ça me permet aujourd'hui, moi qui ai fait mes études en France, mais comme certains, de pouvoir voyager, hein, d'être européen. Ça, c'est un avantage. Hein, c'est un avantage pour tous les Polynésiens. Donc, je ne me pose pas la question de cette identité, et ce n'est pas l'indépendance qui va me rappeler qui je suis. J'entendais tout à l'heure mon collègue parler de sa généalogie. Hein, beaucoup de Polynésiens n'ont pas à attendre d'être indépendants demain pour aller chercher leur père, faire les démarches qu'a fait mon collègue sur Maupiti et savoir d'où ils viennent, s'ils sont assis sur un marais ou pas et de quelle famille ils sont originaires. C'est pas ni l'ONU ni quelqu'un d'autre qui viendra nous le dire. Donc, ce sujet-là, en ce qui concerne pour moi l'identité, elle ne me touche pas parce que ben, je sais qui je suis. Richard Touhéava, vous estimez-vous aussi que l'on ne vit pas librement en Polynésie et que vous avez besoin de vivre l'indépendance pour savoir qui vous êtes vraiment? Tant que Mahuinui, en fait, ne sera pas une collectivité, il ne peut pas y avoir de développement économique et social durable, en fait. Oui, je pense qu'effectivement, à l'encontre, ou plutôt à l'opposé de Teiva Manoutrey, que ce n'est pas juste une question d'identité, ce n'est pas un problème d'identité, l'indépendance. C'est un problème de gouvernance, c'est un problème de destin, c'est un problème d'être dans, ou non dans le sens de l'histoire. À un moment donné ou à un autre, il faudra bien que ce pays et le peuple de ce pays se prennent en main. Et ça, c'est en réalité dans les cercles privés, même de tous les partis, y compris même ceux qui ne sont pas du Tamani Ouiratira, de toute façon. À un moment donné, ça doit arriver. Vous êtes d'accord avec ça, Teiva Manoutrey? Ça doit arriver à un moment donné, de toute façon, c'est inévitable. C'est quand même bizarre. Bon, je veux bien croire Richard, moi. Mais en 2004, le Tavini s'est allié, enfin, a accédé au pouvoir. Hein, on a vu tout à l'heure les images. Ils ont eu donc l'occasion de gouverner et de nous montrer la façon de gérer des indépendantistes. On a vu les résultats. Quelques années plus tard, en 2007, il y a eu une alliance avec le Tawerahuilatila. On ne va pas revenir dessus. Mais là, à mon avis, ce n'était toujours pas la question de l'indépendance qui était mise en avant. Donc, si vous voulez, moi, aujourd'hui, vous parlez d'espoir ou d'illusion. Il n'y a aucun espoir à attendre aujourd'hui une gestion des indépendantistes parce qu'ils ont exercé déjà. Hein, et longtemps, les indépendantistes avaient réussi à avoir le suffrage des électeurs. Mais une fois qu'ils sont arrivés au pouvoir dès 2004, et surtout après avec les alliances d'opportunités, ben, il y a peut-être eu un flop. Hein, et donc aujourd'hui, c'est un discours qui sonne creux. Moïte Broderson, il y a eu un flop lorsque vous êtes arrivé au pouvoir? C'est assez cocasse d'entendre M. Manoutrey parler comme ça, parce que soit il fait semblant de ne pas avoir vécu les années 2004 à 2013 avec tous les renversements. 13 gouvernements. Comment voulez-vous gouverner efficacement avec autant de renversements? Vous avez à peine le temps de monter les dossiers, hop, vous n'êtes plus là. Et les investisseurs, tous les citoyens doivent remonter toute la filière. Donc vous dites que vous avez manqué de temps pour. Mais bien entendu, ce qui se passe depuis 2013, c'est une situation de luxe absolu, cette stabilité qui résulte des élections et du nouveau statut. Nous n'avons jamais eu ce luxe de gouverner comme ça, avec une majorité franche. Je vous rappelle que les majorités, à l'époque, elles étaient de une ou deux voix, que certaines étaient achetées, à prix fort. Donc, on ne peut pas gouverner efficacement comme ça. Donc, dire les indépendantistes ont fait la preuve de leur incapacité à gouverner, je suis désolé. Je pense que
tous les gouvernements qui se sont succédés, il n'y a pas eu que des indépendantistes depuis 2004, ont prouvé effectivement qu'il est impossible de gouverner en situation d'instabilité. Les indépendantistes n'ont pas pu gouverner finalement, Yves Amanoussaï. C'est mon sentiment. Alors, ils ont peut-être été empêchés aussi, mais comment expliquer, monsieur le député, l'alliance paradoxale avec le Tahuera Huiratira, où là, vraiment, c'est un reniement de l'idéologie indépendantiste. Alors, bien sûr, on nous a dit, c'est pour la paix. Mais il le dit lui-même, et je l'ai salué là en préambule, en disant que c'est la paix qu'a choisi dès le départ le Tahuera Huiratira, en n'appelant pas à un bain de sang, en n'appelant pas à la violence, et en proposant l'indépendance de manière démocratique. C'est louable, c'est même saluable ce soir. Mais par contre, de renoncer à son idéologie indépendantiste et puis de faire alliance avec son ennemi d'hier, hein, autonomiste, là, à mon avis, il y a quand même une ligne qui a été franchie et ce n'est pas nous qui allons juger, les électeurs ont jugé. Richard Touyava, vous avez renié vos convictions indépendantistes, je parle de l'UPLD, du Tavigny à l'époque, pour vous allier avec le Tahuera de Gaston Flos en juillet 2007. Non, je pense qu'il y a vraiment, s'il y a bien une personne, en tout cas une personne ou un parti, à travers cette personne qui n'a jamais renié à ses convictions politiques, c'est bien le Tahuera Huiratira à travers son président, Oscar Manuta Itemaru. Que je sache, de mémoire, je suis remonté très loin quand même dans les déclarations de M. Itemaru à l'époque où il briguait ne serait-ce que la mairie de Fa'a'a, et jusqu'à aujourd'hui. On est toujours sur le cap de l'indépendance et c'est reconnu par l'ensemble de la classe politique, pas simplement ici, mais océanienne. Alors, c'est un petit peu sévère comme observation. Oui. Moi, vous dire un mot sur cette alliance. Oui, je vais juste revenir sur le 777. Le 777, je l'ai dit, je le redirai encore, c'était une nécessité. Il y avait dans les familles des tensions extrêmes entre les bleus et les oranges. Les gens ne se parlaient plus. Les tensions étaient montées vraiment à un niveau qui était dangereux. Ces deux grands leaders... Ça a été un mariage vite consumé. Hein. Ah oui, mais on sait la faute à qui. Maintenant, d'entendre encore une fois M. Manoutei nous reprocher ça, alors là, j'ai envie de m'étouffer de rire, parce que c'est le même, je crois, en 2013, qui avait fait campagne contre la corruption, en disant les vieux dehors, la relève devant. D'ailleurs, son mentor au niveau national, M. Dupont-Aignan, qui depuis s'est allié à Marine Le Pen, était venu nous expliquer que entre les indépendantistes et les escrocs, ils choisissaient la relève. Tout ça pourquoi ? Pour qu'au second tour de 2013, M. Manoutei s'allie avec qui ? Oh, devinez, M. Flos. Donc bon, il faut raison garder, je crois. Mais je crois que quand un autonomiste s'allie avec un autonomiste, ça paraît normal. Mais lorsqu'un indépendantiste s'allie avec un autonomiste... C'est moins logique. Ben, enfin, c'est pas à moi de le dire, mais dans les deux camps, il y a eu des pertes. C'est-à-dire que interroger les électeurs. Alors peut-être que mon collègue comme Richard s'y est retrouvé. Mais dans les deux camps, je vous le dis, il y a eu des mécontents, il y a eu des déçus, il y a des gens qui n'ont pas compris. Et le nier serait un mensonge... Et hanté. C'est là où, pardonnez-moi, où c'est important de ne pas faire de mélanger des problèmes identitaires avec un engagement politique. Il faut savoir qui en est. Hein. Et le problème, c'est qu'on n'est qu'un seul peuple. On est un seul peuple. Il n'y a pas autonomiste, indépendantiste à la base, si on veut faire de la vraie politique. Et il y a un peuple avec une puissance coloniale. Et c'est la relation avec cette puissance dont il s'agit. C'est la seule préoccupation du temps. Pour vous, ça doit être l'élément essentiel. Ouais, sauf qu'en réalité, certains se plaisent et s'accommodent justement de cette relation triangulaire avec évidemment des personnes et des partis ici qui font le travail de l'État à la place de l'État. Moïta Broderson, on va continuer à parler de l'État. Comment faire pour assumer ses compétences régaliennes? Elles sont nombreuses, techniques et coûteuses, encore une fois. Je pense à la défense, à la sécurité, à l'ordre public ou encore à la monnaie. Difficile pour un petit territoire comme la Polynésie d'avoir les moyens, même dans 20 ou 30 ans, d'assumer financièrement ces secteurs d'activité-là. Que je sache, Palau s'en sort, des compétences régaliennes, un modèle d'association qui lui convient. Selon vous, c'est réalisable, tout à fait. Alors, il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut demain avoir une Polynésie qui a une armée de 100 000 hommes? Est-ce que c'est ça qu'on veut? Est-ce que c'est juste réaliste? Je ne pense pas. Est-ce qu'on a même besoin d'avoir une armée? Aujourd'hui, je ne pense pas. Je pense qu'on peut passer des accords avec les pays qui nous environnent, ceux de notre région, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, pour assurer cet équilibre. Donc,
Il faut rappeler que dans les 187 milliards de l'État sont inclus ces fonctions régaliennes, l'exercice de ces fonctions régaliennes. Donc quand on parlait de substitution tout à l'heure, on revient au même problème. Quand on sera arrivé à substituer donc ces sommes-là, on sera financièrement en mesure d'assumer ce que l'État fait aujourd'hui en termes régaliens. Maintenant, est-ce qu'on a envie de le faire ? Tout dépend de la forme d'indépendance, de souveraineté à laquelle on va arriver. On peut imaginer demain un État associé où certaines compétences, comme c'est le cas par exemple au Cook Island, continuent d'être exercées dans le cadre d'un accord. Rien à voir avec le pays associé du Tarouéra, on est bien d'accord. Non, le pays associé, c'est une chimère qui n'existe pas. Mais c'était une bonne tentative, mais qui finalement ne peut pas aboutir. Voilà. Donc on les encourage à évoluer, à passer à l'étape d'après. Teiva Manoutray, est-ce qu'on peut se passer de l'armée aujourd'hui ? C'est concrètement pas du tout. Je ne sais pas comment notre ami et député ira contrôler la ZEE. Vous voyez, aujourd'hui, avec le trafic d'ICE, tout ça, on a un pays aussi grand que l'Europe. On n'a même pas été capable encore de former et préparer, ne serait-ce que où sont passés les procureurs polynésiens, où sont... Vous voyez, donc, contrairement à la Nouvelle-Calédonie, qui a une fiche de route, qui a une idéologie, il y a eu des accords et il y a eu un programme d'océanisation des Kanaks, avec les conventions avec les universités, où ils ont commencé à préparer, où maintenant ils peuvent poser la question, puisque ça leur arrive là aujourd'hui. Mais tout ça a été préparé. Or, aujourd'hui, il n'y a pas l'idéologie et les discours. Réellement, on n'a pas formé nos cadres, concrètement. Justement, Moteuil Broderson, à l'Assemblée nationale, défend énormément le dossier de l'emploi local. Est-ce qu'il faut insister absolument toujours plus sur ces emplois locaux, Richard Touhiava? Ça fait partie des préalables. Mais il ne faut pas faire protéger l'emploi local n'importe comment. En réalité, il faut le faire en concertation avec les partenaires sociaux, d'une part. D'autre part, il faut le faire avec des filières de formation qui sont parallèles, parce que si c'est pour protéger et ne pas avoir la compétence locale pour pouvoir assumer les postes que nous avons protégés, finalement, c'est la porte ouverte à une déperdition de main-d'œuvre. Mm-hmm. En fait, ce qu'il faut, c'est simplement inscrire cette protection de l'emploi local, peut-être à la différence de ce qui se passe en Calédonie, dans un plan à long terme qui consiste justement à caler cet emploi avec la vision politique que nous avons pour ce pays et non pas avec le code actuel du travail qui est ni plus ni moins que l'émanation du code national, dont on connaît les limites. Donc il faut vraiment l'inscrire dans un projet global. Moteuil Broderson, on en a beaucoup parlé ces 5 dernières années, des fameuses terres rares qui pourraient permettre à la Polynésie de sortir en partie justement de sa dépendance financière, sauf que selon une étude de l'IRD qui date du mois de mai 2016, bien, c'est faux. La quantité de terres rares et de nodules polymétalliques serait insuffisante pour présenter un potentiel économique. Est-ce que vous pensez que le pays peut encore espérer tirer profit de ces minerais-là ? Alors d'abord, je pense que, comme pour le nucléaire, les mêmes experts scientifiques qui, à l'époque, nous ont réasséné la théorie des essais propres, un jour se rendront à l'évidence et diront que ces minerais, ils sont là en quantité. Donc tous les experts mentent, selon vous, Moteuil ? Pas tous. Enfin, qui ne vont pas dans le ils sens se que vous souhaitez. Ils peuvent se tromper. Ils l'ont prouvé avec le nucléaire. Mm-hmm. Bon, maintenant, une fois que ça c'est dit, pour ce qui est de ces minerais, ce qui est au fond de l'océan, c'est une manne financière énorme. Maintenant, il suffit de regarder l'Afrique, avec ses ressources pillées, pour se convaincre que disposer de ressources naturelles n'est pas toujours un bienfait, parce qu'on devient l'objet de convoitises des grandes puissances. D'accord ? Je vous ai dit tout à l'heure que pour atteindre, on va dire, une indépendance économique, rien qu'en développant le tourisme, on pouvait y arriver. Parce qu'après, il y a un effet d'entraînement. Il va falloir construire des hôtels, il va falloir que l'agriculture suive. Ils ne vont pas venir manger des boîtes de conserve, nos touristes. Ils vont vouloir manger du mheimhei, du taro, du uru. Donc il y a un effet d'entraînement. Donc moi, j'en suis même pas à dire, pour être indépendant, on a besoin d'aller détruire le fond des océans. Parce qu'aujourd'hui, avec les technologies qui existent aujourd'hui, c'est ce qu'on ferait. Alors, c'est certainement pas le Tavni Huilatira,
le parti qui s'est battu pendant des années contre les... Ils sont entre 800 et 4000 mètres de profondeur, hein, donc ça, oui, ça serait compliqué. Mais c'est déjà ce qui se fait. Ça se fait déjà au large de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. La société Nautilus exploite déjà le cuivre, le zinc, au large de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, à peu près à ces profondeurs-là. Donc venir nous dire que ce n'est pas possible, excusez-moi, aller faire un tour en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ce n'est pas possible, mais c'est compliqué. C'est-à-dire que ce n'est pas en surface, oui, donc il faut quand même une technicité. C'est peut-être compliqué, mais c'est fait en ce moment en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Maintenant, donc, moi, ce que je dis, et ce que j'ai dit pendant ma campagne, et ce que je dis et répète à l'envi au sein du Tamini Huratira, c'est que ces ressources-là, pour moi, c'est un joker pour l'avenir. Il faut attendre que les technologies soient suffisamment évoluées pour effectivement faire baisser le coût d'exploitation, mais surtout pouvoir le faire dans des conditions environnementales qui satisfassent nos critères. Le jour où ça se sera arrivé, peut-être qu'on ira là, mais on n'aura peut-être même pas besoin de le faire. À ces terres rares aussi. D'abord, je suis d'accord avec la position de notre député, absolument sur la nécessité de conserver et en tout cas de faire un acte de conservation pour la génération future. On partage le même point de vue. Par contre, je voudrais rectifier une information qui me paraît importante par rapport à cette étude de l'IRD. D'abord, sauf avec le respect que je dois à tous ces experts, ils ne sont pas allés sur place. C'est d'ailleurs, ça fait même partie d'ailleurs de leur propre rapport que de mentionner qu'ils ne sont pas allés sur place puisqu'ils n'ont fait que collecter des informations de la documentation scientifique. La deuxième chose qui est importante, c'est qu'ils ne disent pas qu'il n'y en a pas. Ils disent qu'il y a simplement une quantité mais qui est insuffisante sur le plan de l'exploitation économique. Une quantité économique. Insuffisante pour rapporter suffisamment au plan économique. Oui. Et ils rajoutent la présence, par contre, de cobalt de qualité mondiale. Mm-hmm. Donc, comme ça, les choses sont dites. Oui, bien sûr. Alors, ce qui est important, par contre, ce n'est pas simplement de se dire on a de la ressource, on est ainsi dessus, et puis d'ici 10-15 ans, on aura les moyens de les exploiter. Ce qui est important ensuite, c'est de poser le modèle économique. Et je pense que notre député l'a très bien compris, parce que c'est ce qu'il défend actuellement, un modèle économique qui est viable et qui repose justement sur ces ressources, qui ne servent pas à ce moment-là de surenchère à des emprunts sur les marchés financiers, je le répète, de la France à l'extérieur, mais qui servent d'éléments de croissance pure pour les Polynésiens, pour l'économie polynésienne. Yvan Manoussé, on va passer au deuxième débat. Dites-nous d'abord si la Polynésie doit, selon vous, avancer avec la France et cesser de la combattre, sans faire une alliée finalement. La France est une grande puissance mondiale. Bien sûr qu'il faut avancer avec elle. C'est plutôt les indépendantistes et certains autonomistes là, qui ont avancé dans leur raisonnement, puisque certains parlent de pays associés. C'est-à-dire on veut quand même continuer à pouvoir passer des conventions avec l'État français. Donc un coup, on crache dessus, un coup, on veut travailler avec. En ce qui nous concerne, il n'y a jamais eu de volonté de dénoncer. Il y a à la fois ce partenariat qui a été fait avec la France, qui a contribué à faire évoluer la Polynésie où elle est aujourd'hui, et pas simplement qu'en termes financiers. Et puis il y a eu aussi les erreurs, les blessures qui font partie de notre histoire, qui doivent être reconnues, qui sont d'ailleurs en processus d'être reconnu aujourd'hui et même indemnisé par la France. En tout cas, Yvan Manoussé, je vous coupe, puisque les 25 minutes sont écoulées. Selon vous, il faut continuer avec l'État français. Nous allons maintenant passer au deuxième thème de notre débat ce soir. On continue de parler indépendance, mais cette fois en s'interrogeant sur la nécessité ou pas de proposer un référendum à la population. Moëtaï Broderson, les indépendantistes n'y sont pas très favorables. Ils affirment via leur leader Oscar Temaru que rien n'est fait finalement aujourd'hui pour encourager les Polynésiens à dire oui, que ce n'est pas encore le moment du référendum, qu'il faut attendre 15 ou 20 ans. Qu'est-ce que cela veut dire, qu'ils craignent un non largement majoritaire, que vous craignez un non ? Je ne sais pas où vous avez entendu ces discours-là. On n'aurait pas à déployer tous les efforts qu'on a déployés de 2011 à 2013 pour faire la réinscription si ce n'était pas pour aller dans la voie d'un référendum. Oscar Temaru disait que, toujours dit que l'État ne favorisait pas la mise en place d'un référendum en Polynésie. Depuis la réinscription, force est de constater que la France ne joue pas le jeu. Elle joue les absents. C'est un déni de réalité. Elle fait comme si la réinscription ne s'était pas passée. C'est une insulte à l'ONU, d'ailleurs, en passant. Chaque fois qu'on y va, on intervient, la France sort de la salle et revient quand la Calédonie intervient. Sont deux situations. Vous lui reprochez d'ailleurs à chaque fois. Mais évidemment, la Calédonie est réinscrite comme nous. Mm-hmm. Pourquoi c'est ce traitement différent ? Est-ce qu'aujourd'hui, si un référendum était organisé en Polynésie, vous y seriez favorable ? Aujourd'hui, bien sûr que non.
aujourd'hui. Ça, c'est un non-sens. Imaginez, vous avez un enfant. Jusqu'à ses 18 ans, qu'est-ce que vous lui donnez à boire? Vous lui donnez du Coca-Cola et qu'est-ce que vous lui donnez à manger? Du McDo. Le jour de ses 18 ans, est-ce que vous allez lui demander comme ça, le jour de ses 18 ans, est-ce que tu ne veux pas devenir végétarien? Ça c'est bien ça, sens. Les conditions ne sont pas réunies aujourd'hui pour organiser. Il y a une période de transition pendant laquelle référendum. On doit informer, pendant laquelle on doit éduquer le peuple sur ce que c'est que devenir souverain, parce que c'est avant tout une grande responsabilité. Et c'est ça l'objectif, en fait, de l'indépendance. C'est de dire aux Polynésiens, tant qu'on est dans cette espèce de cocon artificiel de l'autonomie, on ne va pas prendre nos responsabilités. On a aujourd'hui un système fiscal qui est monté à l'envers. Ça rapporte plus fiscalement à la collectivité d'importer que de produire localement. C'est monté à l'envers. On a, des années 1950 à aujourd'hui, accru notre dépendance. Regardez une simple ligne dans les bilans du pays. Enfin, de la collectivité, parce qu'il faut arrêter d'utiliser le mot « pays d'outre-mer ». Nous ne sommes pas un pays d'outre-mer, ça n'existe pas au plan constitutionnel. Nous sommes une collectivité d'outre-mer aujourd'hui. C'est peut-être triste, mais c'est la réalité. Eh bien, regardez le taux de couverture des importations par les exportations. Il va décroissant depuis les années 90. Richard Touhéava, les indépendantistes de Nouvelle-Calédonie freinent des deux pieds aujourd'hui, sûrement pour les mêmes raisons qu'en Polynésie, alors que la question sera posée dans moins d'un an. Est-ce que vous pensez, en revanche, que le oui a ses chances là-bas, à Nouméa ? Alors, deux choses. D'abord, ils freinent des quatre pieds. Nous, on ne le fait pas. Par contre, ils le font pour des raisons qui sont différentes. Hein. Ils le font parce qu'il y a vous eu des... Vous faites aussi, parce que Moïtaï Broderson disait que les conditions n'étaient pas réunies aujourd'hui pour organiser un référendum. Mais ça, ce n'est pas un frein. Ça, c'est un constat. Il ne faudrait pas l'organiser aujourd'hui. Vous ne militez pas pour ça. Alors, non. Enfin, ce qui est important, c'est qu'il y a une transition qui est prévue, d'ailleurs, par l'ONU et à laquelle la France ne joue pas le jeu. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'elle ne vient pas dans la salle. Ce qui est important à comprendre, c'est que, rapidement, pour évacuer le sujet calédonien, c'est qu'il y a un problème de critères au niveau des conditions de vote en Calédonie. Et il y a eu effectivement plus d'une vingtaine de milliers de Kanaks qui ont été quelque part un peu exclus par l'effet de la Constitution et du statut de Calédonie, du vote référendaire. Et donc il y a eu effectivement un problème. Et je crois que les derniers rendez-vous qui se sont passés avec le Premier ministre, d'ailleurs récemment, hein, il y a même pas deux mois, se sont concentrés autour de cette problématique. Nous, on n'a pas cette problématique-là ici, puisque nous n'avons pas d'accord bilatéral avec la France sur le processus de décolonisation. Nous sommes réinscrits, mais nous ne sommes pas dans la situation de la Calédonie où il y a eu un accord comme celui de Matignon ou de Nouméa qui permet justement, à tort ou à charge ou à décharge, de préparer en tout de cas. Préparer. Nous pensons d'ailleurs que c'était d'ailleurs une meilleure chose de ne pas avoir d'accord. Teva Manoutchaï, un référendum sur l'indépendance en Polynésie, vous y seriez favorable? Vous pensez que le oui pourrait l'emporter ici? Oui, les indépendantistes ont déjà remporté le référendum en 2004, je l'ai dit tout à l'heure. Il y a un référendum tous les 5 ans, quasiment. Moi, je suis pour. Je suis par contre moins optimiste que Richard et Moïtaï, dans le sens où ça va prendre énormément de temps. Parce que, vous savez, le fait de l'anse du Tavini, c'était quand même les anciennes générations, hein, qui étaient aussi dans cette nostalgie, dans cette volonté identitaire, qui ont vécu, eux, pour le coup, des essais nucléaires. Aujourd'hui, parler d'indépendance à un jeune, c'est pas sa réalité, c'est pas sa préoccupation. Sa préoccupation, c'est du boulot, avoir au moins une terre pour pouvoir construire sa maison et avoir une maison. Hein. Les jeunes en sont là aujourd'hui. Donc, c'est un débat qu'on doit avoir. Alors, on nous dit qu'on n'est pas prêt pour le référendum. Moi, je dis chiche. Lorsqu'on est prêt à s'allier avec les autonomistes, eh bien, il faut oser poser la question. Et quand bien même le oui ne l'emporterait pas, il n'y a rien qui nous interdit de poser la question tous les 10, tous les 15 ans, tous les 20 ans. De toute manière, ce n'est pas parce que les indépendantistes perdraient le référendum qu'ils arrêteraient idéologiquement et par conviction d'être indépendantistes. Ils se battront certainement encore plus pour que la prochaine fois, ça soit oui. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Je dis moi, en tout cas, posons rapidement la question. Comme ça, au moins, Natacha, ça serait une chose de régler. Juste pour clarifier, une chose, je crois que M. Teva Manoutchaï fait une grosse confusion entre une élection territoriale avec un découpage purement colonial de 8 sections et 19 sièges de bonus et un référendum d'autodétermination. Et le seul qu'on ait connu jusqu'alors en Polynésie,
C'est celui qui a permis justement à M. Pouvana Opa d'être ensuite exilé. C'est-à-dire celui qui a trompé la population entre oui ou non, il faut accepter la constitution de la Ve République. Donc selon vous, les résultats des dernières élections territoriales, on ne peut pas les interpréter sous forme de référendum et dire que les Polynésiens ne sont pas majoritairement pour l'indépendance puisqu'ils ont voté à 70% pour l'autonomie. Bien sûr que non, ce serait aussi absurde que ce que vient de dire M. Manoutet en disant qu'en 2004, ce référendum a eu lieu. En 2004, il n'y a pas eu de référendum. Sauf qu'il y avait une prime majoritaire qui a permis aux indépendantistes en 2004 d'accéder au pouvoir. Raison de plus, justement, pour discréditer le fait que ça ait pu être un référendum. Ce qui s'est passé en 2004, c'est une élection territoriale où M. Floss a été pris à son propre piège statutaire. C'est un vote de contestation. M. Temaru, dans son discours, l'a dit. C'est un système qui a été sanctionné. Donc ce n'est pas du tout un référendum qui a eu lieu. Pas plus que toutes les élections qui se sont succédées, tous les 4 ans, pas tous les 5 ans, hein, le mandat. Hein. Voilà. Et le 2013, c'est pas un référendum. C'est pas révélateur, en tout cas, d'une tendance en Polynésie, selon vous. Nous sommes intervenus à l'ONU à chaque fois en rappelant que les élections territoriales, comme les municipales, ne pouvaient absolument, encore moins les sénatoriales ou les législatives, ne pouvaient pas être assimilé à des référendums. Alors, si un référendum était organisé dans quelques années, il faudrait non seulement trouver la bonne question à poser, la bonne formule, la Calédonie travaille toujours dessus, mais aussi définir qui a le droit de voter. Selon vous, Moëtta Ebroderson, il faudrait avoir 50 territoires, 10 ans ou 15 ans. Alors, chacun a sa vision des choses là-dessus. Je pense que c'est une décision qui doit être collégiale. Donc, il faut que les uns et les autres, que ce soit aussi bien les autonomistes que les indépendantistes, on arrive à s'asseoir entre gens de bonne compagnie autour d'une table et puis qu'on définisse ensemble les critères. Est-ce que c'est 10 ans? Est-ce que c'est 5 ans? Est-ce qu'il faut absolument avoir un pourcentage de sang polynésien? Ça, déjà, on peut l'évacuer. Ça n'a aucun sens. Mais c'est des conditions qu'il faut qu'on définisse ensemble. Richard Touhiava, combien d'années de résidence pour avoir le droit de voter pour vous? En fait, c'est pas... C'est pas une bonne question. En réalité, il n'y a pas de durée de résidence, qui soit largement suffisante pour satisfaire ce critère. En fait, le problème, il est différent. C'est pas un problème d'ethnie. C'est pas un problème de durée de résidence. La Polynésie n'a pas été colonisée ethniquement ou par une durée de résidence. C'est une colonisation financière et économique. C'est comme de donner un rat au cancer à un malade du diabète. Et c'est la raison pour laquelle j'ai envie de dire, c'est bien d'en parler, mais ça n'apportera pas le résultat nécessaire. Parce que la relation à l'argent et à la finance, tant que la Polynésie ne sera pas éduquée financièrement pour faire face au marché extérieur, comme la France l'est actuellement, c'est compliqué de répondre à cette question-là. Le temps est écoulé, c'est l'heure pour moi de vous remercier Richard Touhiava et Teiva Manoutet également d'avoir accepté de débattre tous les deux sur ce plateau ce soir. C'est l'heure à présent de l'interview des 5 dernières minutes. Moëtta Ebroderson, vous avez 48 ans, vous êtes mariée, vous avez 5 enfants. Votre deuxième femme, Teua, est la fille d'Oscar Temaru, avec qui vous avez eu un fils, le seul petit-fils d'Oscar Temaru. D'ailleurs, comment gère-t-on au quotidien la politique et la famille lorsqu'elles sont aussi intimement liées? On ne cherche pas à le gérer, on le vit bien, parce que Oscar Temaru est un grand-père merveilleux. Alors on a un grand sujet de désaccord par contre, c'est vraiment là, je pense que ça va se trancher à l'ONU certainement, parce qu'il veut mettre son petit-fils au golf et moi je veux le mettre au rugby. Donc voilà, c'est notre principal sujet de désaccord. Grosse opposition, vous faites partie de la famille des demi, puisque votre père et votre mère sont tous les deux des demi-tahitiens. Vous avez été élevé par la sœur de votre grand-mère jusqu'à l'âge de 3 ans, puis par vos parents donc à Huahine. Comment définiriez-vous votre enfance ? Merveilleuse. Alors d'abord, je ne suis pas sûr d'avoir l'air d'être la moitié de quoi que ce soit. Hein. Je suis plutôt un multiple. Demi, c'est un terme qui n'a aucun sens. C'est le terme qu'on emploie couramment ici. Oui, mais il faut qu'on arrête d'utiliser ce terme. Je pense qu'il est limitatif. Moi, je dois avoir quelque chose comme 12 ethnies différentes dans le creuset qui me constitue. J'en suis fier et bon, je suis multiple. Voilà.
mon enfance merveilleuse, une enfance de liberté extraordinaire à Huriné, qui est une île, c'est la plus belle île de Polynésie, on peut être un petit peu chauvin quand même. Et vraiment, les après-midi après l'école, courir après les coques, aller se baigner à la rivière, aller au surf, c'est l'enfance bon, que je souhaite souvenirs. À tout le monde. Vous dites que vous vous êtes affirmé indépendantiste à l'âge de 11 ans, pourquoi ouais. Que s'est-il passé? Alors, j'étais un gamin assez précoce, intellectuellement, on va dire. Je lisais beaucoup depuis tout petit déjà, et je me posais tout un tas de questions sur la vie, sur le sens de la vie, sur le monde dans lequel on vivait, etc. Et pendant toute l'école primaire, finalement, à l'époque en tout cas, tous nos instituteurs, nos institutrices plutôt, parce que la plupart étaient des femmes, c'était des Polynésiens. Et puis arrive donc le collège. Et au collège, c'est un autre paradigme, puisqu'on arrive, tous les professeurs sont métropolitains. Certains sont des gens merveilleux, dont certains habitent encore à Huriné, je tiens vraiment à les saluer. Mais une partie de ces enseignants étaient de parfaits néocolons. Il faut dire les choses comme elles sont. Donc c'était tous les jours, il fallait qu'on remercie le professeur blanc de venir nous apporter... C'était pas remercier le professeur tout court, c'est-à-dire non, remercier le professeur avoir blanc du respect pour qui s'est sacrifié, qui a abandonné la civilisation pour finalement venir apporter la lumière. Donc c'est là qu'est venue votre sauvages. Révolte. Alors, c'est pas une révolte, c'est une interrogation au départ. C'est de me dire, alors, première question, est-ce que nous, on peut devenir prof? Parce que ça n'avait pas l'air évident. Quand il y avait les conseillers d'orientation, tout ça, on nous expliquait que oui, les métiers subalternes, ça, c'est, vous pouvez. Mais prof, soyons raisonnables. Il faut quand même pas exagérer. Et puis, de se dire, mais finalement, qu'est-ce qui nous empêche de nous gouverner nous-mêmes? Alors, j'ai commencé à lire. Il y avait une bibliothèque, elle était assez limitée. J'ai très rapidement lu tous les bouquins de la bibliothèque. Et les quelques bouquins de politique, d'économie et de géopolitique qu'il y avait au collège de Huriné, il y en avait quelques-uns, je les ai tous lus et je n'ai pas trouvé de réponse valable qui puisse me convaincre de ne pas être indépendantiste. Voilà. On va revenir à vos écrits aussi. Vous avez étudié et travaillé aux États-Unis, vous en êtes parti après le 11 septembre 2001, vous y étiez, vous l'avez vécu, ce sont vos photos que l'on voit ou que l'on va voir à l'antenne. C'est un traumatisme qui ne s'effacera jamais. On l'imagine. Oui, c'est quelque chose qu'on garde. Moi, j'ai mis 2 ans à arrêter de faire des cauchemars. Parce que quand on voit ces gens qui se tiennent par la main, qui vont devant, derrière, de droite, loin, de gauche, quand j'étais juste à côté. Vous étiez vraiment tout proche. Et quand on les voit finalement qui se serrent les coudes pour sauter, parce qu'ils se disent qu'entre finir brûlé et tenter de sauter, il faut tenter quelque chose, ça ne vous quitte pas. Êtes-vous toujours croyant aujourd'hui d'abord quand on vit ça? Je vous demande ça aussi parce que lorsque vous aviez 12 ans, vous avez failli vous marier avec l'Église pour devenir pasteur adventiste. Est-ce que vous croyez toujours en Dieu? Oui, plus que jamais, oui. Votre maman s'est noyée il y a 12 ans maintenant. Votre père est atteint d'une maladie proche de celle d'Alzheimer. La vie ne fait de cadeaux à personne. Quel est votre secret pour continuer à aller de l'avant, Mouetai Boylerson? Mes enfants, mon épouse et tous les enfants de Polynésie qui méritent d'avoir un bel avenir. Vous avez beaucoup de loisirs et de passions. Vous aimez le jazz, les sports de combat, les mathématiques. Vous lisez des livres de mathématiques, par exemple? Vous faites des maths comme ça, de temps en temps, ça vous prend? Donc, vraiment? Oui, ça me prend. En fait, il y a, dans le monde des mathématiques, il y a quelques conjectures qui n'ont pas encore été prouvées, dont ce qu'on appelle la conjecture de Poincaré. Et celle-là, elle me titille depuis bientôt 25 ans. Donc régulièrement, je me dis, allez, cette semaine, je vais me faire Poincaré, mais j'y arrive toujours pas. Et vous aimez aussi écrire, je le disais tout à l'heure, vous êtes l'auteur du Roi absent, publié il y a 10 ans aux éditions Au Vent des Îles, qui a décroché le prix du meilleur roman au Salon du Livre en 2009. L'histoire d'un muet surdoué qui va vivre beaucoup de drames alors qu'il ne fait que suivre un chemin sans conviction. Je dirais, il y a comme une malédiction qui pèse sur lui. Est-ce que vous croyez au destin, Mouetai Boylerson? Je crois que si on croit en Dieu, on croit forcément au destin. Mouetai Boylerson, c'est maintenant l'heure pour vous de signer le livre d'or de Sans Tabou et pour les téléspectateurs de découvrir votre vision de la politique. Selon vous, la politique, c'est servir,
pas se servir ni asservir, mais bien servir son peuple. Merci beaucoup de vous être livré ce soir. Vous comptez maintenant parmi les personnalités qui ont fait Sans Tabou. C'était la dernière émission de l'année. Ça continue en 2018. Passez une excellente soirée. Merci. Bonjour.